Change d'air, le grand, on arrive. Je coupe le moteur. Arrête le moteur. Oh, t'es top! Ah! T'as peur! Donne-moi ça, quand même! I shoot! Mais c'est donc bien! J'en suis sur deux semaines qu'on n'a plus. Ça
vous a pas tenté d'en profiter pour arrêter? Chris, le jour où tu fais arrêter de fumer en incite, là, je repeinturerai le camp à grandeur. OK. Ouais, mais... Je commence à avoir hâte de te voir la face, toi. Ouais, on serait comme un peu froid le calendrier, puis on savait plus si on fait ça cette semaine ou la semaine passée. C'est vrai que c'est compliqué le calendrier. Ta gueule, toi, Chris. Toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un petit mois ensemble, hein? Force-moi pas, mon gars, je pourrais peut-être rester avec vous autres si tu veux. On va prendre un break, toi. Comment ça? Tu pourrais-tu que je fasse le camp d'été l'année prochaine? Tu devrais prendre un break. Au play! Santé. Tiens. Toi, le grand gin, vodka, whisky. Whisky. T'as un petit crotté, un flambeau. Flambeau, ouais. C'est... Tiens. Bon. Comment tu sais, tu sais? Comment tu sais? La crise de bel hiver, tu as passé là, tu as poigné la 2,5 avec un petit crotté. Les chiottes marchent plus! Ah ouais, c'est vrai! Vous avez prévu le 5 ans? Pas mal là, là! Les affaires, tu peux mettre ça direct là. Bon. Un petit peu plus chenu que tu pensais, hein? Fais-toi en pas le grand, fais tout le saut dans le 27. Je pensais d'arriver à la même console de 1200 pitons. Mais... Anyway, c'est une crise de bonne affaire, que ça soit pas trop gros. Tu finis par l'oublier, puis tu passes des belles vacances. Qu'est-ce que tu fais de gros, là? Ah ouais, on décalisse. 8 heures de tête cul dans le truc à Guérard. Bonjour, tu fais, là. Pour les chiottes, je vais t'envoyer quelqu'un, ça sera pas long. Des promesses! Le mot temps me faire à l'idée que m'a chier dans le bois tout l'hiver, je vais être moins déçu. Bonne idée! Comme une vieille fournaise. Ça va être mieux de même pour tout le monde. Ça nous fait un divan dans la cuisine. Ah.
cool. On pogne quasiment une 4 étoiles. Inquiète-toi pas, là. J'ai une couple de petits trucs pour nous rendre la vie facile. Ouais, moi, je dors. On est relax, hein? Faites-vous ça souvent? Quoi, ça? Fait sortir du bunker. Quand les deux fument, on fume dans le camp. Non, mais sortir, là, pour... pour sortir, là. Ben, déjà, il va falloir aller chier dehors. Pourquoi il... Quand tu dis que tu pourrais jamais sortir de là? Un peu, ouais. Glisser sans sac. Tu fais dehors, d'abord? J'allais pisser. Petite bonne heure à la shop. Y'a personne qui va te faire chier ici, hein, si tu décides de dormir un petit peu plus longtemps. As-tu mangé? Non. C'est pas jeune-jeune. Ils disent « Be shaped at 6:15 in the morning ». Oui. C'est juste qu'ils n'expliquent pas comment on fait pour occuper nos journées. Pas deux, trois cossins, hein. On fait pas mal qu'est-ce qu'on veut. Pièce de musée, pareil, hein? Mm. Oh, merci pour la vaisselle. Un costaud pas tête avec ça, ça n'a pas 50 fonctions, ça, ça en a une. Hey! Mais non, mais il faut qu'il y ait l'alarme pour que ça s'active, ça, là. En plus, ça prend deux clés. Ouais, mais justement, pas nécessairement le goût de tester ça un matin, moi. Hein? C'est 31, hein? Ouais.
Ouais. Tu dis que t'es pas jasant. J'ai une question pour toi, quand même. Tu sais que... jamais personne qui se retrouve ici par hasard, hein. Il y a tant de raisons. Qu'est-ce que t'as bien pu faire, toi, chanceux, pour te retrouver ici, là, avec moi? Toi, t'as fait quoi? Ah, non. C'est toi qu'on parle, là. Ah, c'est ça. Comme toutes tes bines. Hey, c'est clair que c'est pas rien que de la merde, ce qu'on fait ici. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que normalement, on devrait être sur la ligne Dew. Mais non, on est crissement pas assez au nord pour ça. La ligne Mountain Dew. Tu sais pas c'est quoi, hein? C'est la série de radars qu'ils ont installé dans le nord pour détecter les missiles russes, si jamais il y en avait eu. Là. Mais il y a pas de radar dans le bout, fait que ça peut pas être ça. C'est pas parce que toi, t'en as pas vu que... T'as pas vu de lance-missile non plus, hein? Non. De toute façon, ça se peut pas, ça. Il n'y a jamais eu de nucléaire au Canada. Eh oui, man. C'est vrai que les installations pourraient être n'importe où, là. Tu sais, c'est pas nécessairement proche du site. Mais c'est clair qu'on a déjà eu des missiles nucléaires au Canada. Voyons donc, on a eu deux, ça. Hein? Ah oui, c'est Trudeau qui nous a débarrassés de ça. Ouais, c'est ça qu'ils disent, là, officiellement. Mais qu'est-ce que tu pensais que tu faisais ici, toi? Hein? Pas de missiles, pas de radar, pas de boss. En tout cas, Alice, moi, j'étais en vacances. Mais si tu veux vraiment te torturer avec ça, là, il y a Guérard qui a son idée là-dessus. Guérard, c'est le gars qui nous a amené ici. Oui, je sais. D'après lui, l'armée américaine a fait construire ça ici pour mettre le piton à l'abri. Les missiles sont aux States. Les Américains auraient fait ça pour se discipliner eux-mêmes. D'un coup, qu'un dirigeant zélé déclenche une riposte nucléaire parce qu'il aurait pris une volée de canon pour une batch de missiles. T'sais. Si c'était vraiment des missiles, ben, il pourrait se consoler en disant que même si le Pentagone saute, il y aurait un petit canadien dans une boîte de béton pour peser sur le piton. Puis les Russes s'y cogneraient pas. OK, puis qu'est-ce qu'on ferait encore ici aujourd'hui? Peut-être que c'est plus simple de garder tout ça de même que de fermer le programme puis d'être pogné après ça avec l'opinion publique le jour où tu recommences à en avoir besoin. Il y a personne qui le sait, y a personne qui chiale. Ça coûte juste 2 salaires à l'année longue. En tout cas, si t'aimes ça te faire croire que t'es dans le Mountain Dew, vas-y fort, là, mais ça fait pas de sens pour moi, puis je m'en sac pas mal. Thank you.
T'étais sérieux avec ça, toi, Sty? On prend un break, là, j'ai de quoi pour te distraire. Ça presse pas le même. Ah, voici une excellente source d'éléments nutritifs essentiels au maintien d'une bonne santé mentale. OK. Bon, c'est pas encore le temps pour ça. Les 13, ça devrait te faire. Ça, c'est plus pour moi, hein? Ça, c'est prêt à consommer, là. Anytime. Ça, ma page Facebook. Ça, c'est pour moi. Là-dedans. Ça, c'est parce qu'il cite la truite est sportive. Oh! 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 Wow! Et puis... Oh! 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 Tu penses à ça, le grand? Ça te fait du fun, hein, toi? T'attends? Si on est pour se faire pogner, ça sera pas à cette heure-là. Oui, tu dis que t'allais pisser. Ça a l'air bon. Ben, je suis, toi, le grand? Peu. Peu. La rivière est juste à 5 minutes d'ici, hein? Je pourrais aller te montrer ça demain, si tu veux. Non, demain, je travaille. Ouais, pas à soir. Non. C'est nos toilettes? Non. Dans sa chambre, peut-être. Non. Gagnon! Allons voir. Oh! Nous avons la preuve irréfutable que Gagnon avait qui sort de WoW! J'allais chier.
Oh, celle-là va être dans tes cartes. Combien de marins américains ont perdu la vie lors du naufrage du USS Indianapolis en 1945? A. 1196. B. 317. C. 879. Non, mais il y en avait beaucoup, là. Dis-moi les chiffres, c'est quoi? A. 1196. A. 1196. Non. Ça, 1196, c'est l'équipage au complet. La réponse est B. 879. Sans blague, il y en avait pas mal. Oh! Écoute celle-là, le grand. Qu'a bien pu faire Gagnon, dit le grand, pour être envoyé se perdre 6 mois dans le nord du Québec? A. Il a triché aux cartes avec un supérieur. B. Il a couché avec la fille d'un supérieur. C. Les deux réponses précédentes au cours de la même soirée. Toi, t'as fait quoi encore? Rien fait, moi. Moi non plus. Moi, c'est à cause du suicide de Kurt Cobain. Bon. Ils m'ont réaffecté ici parce que je souffrais de troubles post-traumatiques. Ouais, tu l'aimais pas à peu près? Chris. Puis j'ai appris ça, moi, le lendemain, en même temps que le début du génocide au Rwanda. C'est-tu le lendemain pour vrai? Ouais, ouais. Puis moi, j'étais là. Hein? C'est spécial. En tout cas, je suis pas seul d'avoir vécu ça, là. On est tous revenus au pays après, puis la vie continue. Là, moi, je suis resté stické sur une affaire, j'ai jamais réussi à m'enlever ça de la tête. Je patrouillais avec un autre gars. C'était dans les débuts, là, ça commençait à brasser. On est tombé sur 4 Hutus qui avaient décidé de fermer une école primaire avec du monde dedans. 30aine de personnes. Des profs, des jeunes, tout. C'était pas clair qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec eux autres. Mais on avait un petit doute, mais nous autres, on savait de quoi qu'ils étaient capables. On a essayé de faire sortir tout le monde de l'école, mais... Il aurait fallu, tu sais... Il aurait fallu tuer 4 gars. Mais on pouvait pas. On entendait les jeunes, ce qui broyait en dedans. Pas de temps en temps, il y a un des estis qui rentrait, qui leur faisait fermer la gueule. Ça durait 2 minutes. Ils se remettaient à broyer. Si ça se trouve, il y avait déjà des morts en dedans. Puis tous les autres qui étaient là savaient exactement qu'est-ce qu'ils attendaient. Quand c'est devenu trop dangereux pour nous autres, on a reçu l'ordre de partir. Le lendemain, on est repassé par là, puis tout le monde avait été massacré. Les enfants, tout le monde. Fait que, c'est ça. Ça, c'est sans compter toutes les autres que ces astis-là, ils ont dû tuer après, là. Fait que moi, c'est ça. Tu sais. Trop post-traumatique. Ah, c'est ça. C'est les
ordres, des fois. Le gage que vous aurez à décorer, là, c'est... Mais non. Personne ne savait vraiment qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis tu sais, si on tue les quatre gars, le massacre n'a pas lieu. Mais si le massacre n'a pas lieu, on a-tu tué quatre gars pour rien? C'est ça, là. Je serais probablement en prison, là, si on avait fait ça. Puis j'aurais pas... J'aurais pas si j'ai bien fait. C'est facile à dire, là, quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, si... J'aurais juste l'air d'un autre militaire qui a pété une coche. Tu t'es des enfants, toi? Oui. Belle grande fille. Ça doit changer bien des affaires ou un enfant. Peut-être que t'aurais fait de quoi, toi. Pas sûr. Pas sûr. Ça en est. C'est bon de la truite, mais attends qu'on pogne du lièvre. Je t'en prendrais une, moi. C'est pas prête. Non, une cigarette. Ça. Viens-t'en, grand. Je te montre la turbine. Il y a moyen d'empoigner des balles ici, mais le vrai beau spot à truite, c'est un petit peu plus loin. Prends-tu deux minutes pour aller voir? Ouais, mais aujourd'hui, je travaille, hein? Demain, peut-être? Ouais, on verra. Il y en a combien, des gars, qui viennent ici? Je sais pas. Moi, je l'ai croisé 7 ou 8. Comme les deux qu'on remplace, là. Donc, j'ai fait une shot chaque avec.
Ouais, pis en tout, ça fait combien d'années que tu viens, toi? 9 ans. Tu viens à chaque année? Non. Non, c'est ma 6e. Il est en hiver? Non, j'aimerais bien ça. L'été, c'est insupportable, aussi. En tout cas, faut pas être frileux. Mm. Frileux, le grand, toi? Hey, le grand! Tu viens-tu prendre l'air? Un gars qui s'est fait tordre un bras. Tu te débrouilles pas fait? Ouais, mais j'ai joué pas mal dans mon jeune temps. Même arbitré un peu. Ah ouais? Ouais. C'est gratuit de pas mourir. Un petit gars en place? T'aurais pu en faire un Gary Carter ou... Non, 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 pas en tout. Ma fille, elle pitch mieux que toi. J'ai pas réchauffé. Ah ouais, c'est ça. Mets-moi pour rattraper. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, t'arrêtes? Ben oui, je pense que j'ai tenu assez fait, là. Ben, c'est les chiottes, là. Hey, serre-toi si ça te tente, OK? Bon, si t'arrêtes, va me tendre moins. Ça fait bon, en tout cas. Ça fait propre. Merci. Comment? Fais ça comme en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ça remonte. Pauvre gagnon. Ça sort dehors 15 minutes puis ça pogne la grippe. T'es pas fait fort, mon chum. C'est-tu que tu fais pitié? Ben... Tiens, c'est chaud. Mais pourquoi tu filmes tout le temps, toi, Calice? Crisse-moi non patience, c'est fatigant. Si, ouais. C'est des souvenirs. C'est toute ma vie, moi, ici, man. Merci, là, pour la petite bonnet. En tout cas, c'est pas une grippe. C'est d'autres choses. Je sais pas c'est quoi, là, mais c'est pas une grippe parce que je suis vacciné, moi. T'es vacciné? Ça marche-tu? Je sais pas, j'appogne pas. Ouais, là, j'ai pour mon dire que si jamais il y a un risque, là, t'es aussi bien de pas prendre de chance. Ouais.
Belle grosse boule de Noël! Bon! Gagnon! Hein? Oui, Noël! Pourquoi t'as pas sorti ça avant? Je gardais pour une occasion spéciale. Qu'est-ce que ça sent bon, ça? Ah ouais, sort le papier à rouler. Oh, hey! Qu'est-ce que tu m'as dit déjà que t'avais fait pour être ici? Hey, je suis pas assez gelé, man. Sinon, tu sais-tu qu'est-ce que ta fille a fait à soir? Fêtez-vous pas mal à Noël, hein, ta famille? Ouais, quand même pas mal. Elle doit être avec mes parents, là. Mais mon oncle, là, tu sais, c'est le gros kit, là. Fait qu'elle aime mieux passer Noël avec tes parents qu'avec sa mère. Sa mère est morte il y a 3 ans. Excuse. Excuse-toi pas pour moi. On était tellement rendus ailleurs, là, que c'est comme si j'avais perdu quelqu'un que je connaissais pas. Ça fait que. Non, c'est plus. C'est plus la petite, là, qui a pris ça à Raphonesti. Puis elle est morte de quoi? D'accident de char. Bête, là. Banal, là. Bang! Mais... malgré tout le mal que ça y a fait, là, je pense que je me serais jamais rapproché de même de ma fille si ça n'était pas arrivé, ça fait comme. Ça s'organise comment avec l'émission et tout? Ma mère. Ça m'aide beaucoup, là. Je suis chanceux parce qu'ils s'entendent super bien. En plus, ça m'a permis de me rapprocher de ma mère, parce qu'on se parlait plus, mais ouais. Mais là, avec la petite, ça te fait un intérêt quand même. Comme quoi, le malheur des uns peut... je sais pas trop, là... mettre de l'ordre dans le bordel des autres. On va faire un petit... Comment qu'elle s'appelle ta fille, déjà? Marielle. On va faire un petit film, bro. On va y aller, ça. Arrête ça, t'es dégueulasse. Bonjour, Marielle! Tu arrêtes ça, là. Est-ce que t'as pas l'esprit de Noël? Par exemple. Mauvais timing.
Ça, c'est Émile, ça. Longtemps, je ne l'ai pas vu, c'est plate. Il y a tout le temps des gâteries à nous donner, pis tout. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de temps de manger des fruits. Un grand. Un peu plus, t'embarques sur le chiffre de la nuit. Hey. Sors dehors si t'es pas capable de dormir le matin. Ça va prendre une marche. Je vois plus dehors. Oh, c'est vrai. Pourquoi ça te reprend l'eau, là? Tu penses vraiment qu'on est dans la merde, hein, c'est ça? Émile, là, je te l'ai dit, il est de notre bord. Il sent un sac de tout ça. C'est sûr que c'est lui qui est venu, il y a juste lui qui vient ici l'hiver. Pas de chance à prendre. C'est pas clair, cette affaire-là. C'est qui attaque qui? Ces missiles-là là, sont pointés sur quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, il en a peut-être de pointer sur nous autres. Mais non, la merde, là, c'est pas assez clair.
Hey, puis si c'était une erreur? Hein? Ou bien si c'était pas une erreur, mais dis-toi, on est en train d'en faire une erreur. Une famille, moi, c'ti. Non, regarde, si c'est commencé, là, moi, je veux vivre ça avec ma fille, c'ti, je m'en vais. As-tu la clé de ça, toi? Ah! Asti! Pour rien, Asti. Dans mon soute. On s'arrête pour la nuit. Ça n'a pas été de tout et si je tournais ma clé. Je voyais plus clair. C'est juste ça. J'ai juste eu plus de temps que tout pour y penser. On avait été là les deux. Là. Probablement qu'on l'aurait fait. Merci.
crise de bonne affaire que t'es une fille, parce que... Ça fait que t'as quelqu'un que tu peux voir à tout prix. Oui. Quand je suis revenu du Rwanda, j'étais pas bon à voir, puis pas grand monde autour de moi qui a été capable d'endurer ça. Fait que, à part les chums me sont faits au camp, pas vraiment personne qui m'attend à nulle part, t'sais. Une fille. Des traces! Faut rien dire! Chris, y'a peut-être pas de guerre! On arrête pas de prendre un char parce qu'il y a une guerre! Y'a juste des trucs de pitounes qui passent ici! Pipi! Pipi! En tout cas, le casse-croûte est par là. On en a pour une heure. Salut! C'est que faites là, les gars? Peux-tu vous aider, moi? Vous avez bien l'air sérieux. La guerre est du poignet, là. Il fait frette! Voulez-vous un livre? Hey, c'est grand, hein? Votre zone interdite, là. Quelque chose. Je suis content de vous voir, par exemple, parce que moi, ça fait un bon bout, là, que je patrouille dans le coin, puis j'avais pas encore vu personne. Je commençais à me demander si c'était pas abandonné. Mais non, on est là. Ouais. Puis, mais c'est quoi que vous faites, au juste, dans ce coin-là, dans la base, là? C'est quoi que vous faites? Ouais, c'est assez tranquille, là. Ouais. On pêche, on se pitche la balle. Ouais. OK, j'ai compris. Vous pouvez pas en parler, c'est ça. Ça me dérange pas, j'aime autant ça même. Ça ajoute un peu d'épices, là, le mystère, le secret. J'aime ça. En tout cas, la petite fille du casse-croûte, elle va pisser dans ses culottes, mais qu'elle vous voit avec vos gros guns, là, elle va faire le saut. Hey, y'a-tu un téléphone là-bas? Tu vas appeler? Ben oui, on prend mon téléphone. Non, c'est beau. Non. Merci, mais. Ah, c'est pas grave, c'est pas non. Moi qui paye, là. Hey, je vais mieux être là-bas, tranquille, merci, moi. Oui, y a un téléphone payant à côté des chiottes. Vends-tu des cigarettes? Je sais pas, ça doit, des cigarettes. Je sais pas, je fume pas, moi. Mais c'est bon, par exemple. Je n'ai pas les cigarettes, mais la nourriture, c'est très, très bon. Il y a un nouveau cuisinier. Puis, très, très bon. La serveuse, c'est la même depuis longtemps. Une belle petite fille, des belles fesses, là. Une fille du coin, là. Je l'ai vu grandir, mais Seigneur. À un moment donné, elle revient, tu sais. À la fin de l'été, elle revient. Oh, c'est plus une petite fille. Regardez ça, c'est qui? Papa Gagnon qui parle avec sa fille. Ben oui, ma putain de papa, il s'ennuie, là, il est loin. Oh. C'est...
sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé. Ça doit être quelque chose qui est fucké dans le système. Il reste que c'était une crise de bonne affaire. Hey, il m'a déserté. Bon, c'est pas paniqué, là. Personne qui sait ça. Il reste deux mois avant qu'il vienne nous chercher. On y retourne, mais on est dans la masse. Mais on a-tu fait la bonne affaire ou pas? C'est ça qui compte. Si jamais ça se sait, on... Dans un heure, il fait noir. Ça te donne à rien de courir. Il va falloir s'arrêter, anyway. Tabarnak! On a fait une gaffe. Calme-toi, là! C'est un test. T'es sûr que c'est un test? Comment ça, un test? C'est la seule affaire qui peut expliquer tout ce qui arrive, là. Ton Émile, il nous a vendu, esti. Testé quoi? Ben, notre loyauté, vierge. Hey, là... En plus de pas faire notre job, on laisse la machine ouverte avec ta clé dedans. Chris de bon soldat fiable, ça. Là, faut qu'on retourne là-bas, qu'on vire les clés avant que les autres arrivent et qu'ils voient ça. Il est en train de l'échapper solide, là. Hey, tu retournes pas en prison, moi. Ah! On retourne pas les clés! C'est ça, si tu capotes, man! Arrête! Je pense que je suis un traître. Que... C'est pour ça que je suis ici. Confidentiel là, qui se retrouve sur une lettre. Ils pensent que ça vient de moi. Ils n'ont pas de preuves. Là. Mais ils ont des doutes. Ça fait qu'ils m'ont isolé ici, pendant qu'ils cherchent. Pourquoi? Tu fais ça pour vrai? Mais non. En plus de ce petit bunker, là. Hey! C'est dur de croire qu'il est capable de lancer des missiles, là. Même pas capable de flusher. Justement, tu penses pas que ça se peut qu'il y ait juste comme... deux fils là, quelque part qui soient touchés puis que ça fait partir la lampe pour rien. Ouais, ça se peut bien. De parler avec ma fille, là, ça m'a vraiment rentré dedans. Parce que j'ai... Je peux pas aller en prison, moi. Ah, excuse-moi, là. Correct.
Gagnon! Gagnon!
On va être crotté, je te batte. J'ai donc arrêté de cacher ça, là. Puis vous jouez à ce game-là. Ah oui, mais tu vas déjà avoir assez d'affaires à expliquer comme ça. Mets-moi ça sur le bord. C'est quoi le plan? Il va falloir que je revienne avec quelqu'un pour régler ça. Mais faites pas trop de folie en attendant.
Au moins, dans mon temps, tout était clair. On savait ce qu'on venait faire. Je pense pas que j'aurais commencé à me poser de questions si j'avais attendu à être là. J'ai plein de gars qui m'ont empêché de faire ma job. Dans mon temps, c'était clair. Mais reste qu'on a toujours le choix. Même dans l'armée, même les hommes, on a le choix de ne pas les suivre. Peu importe la décision, tu prends peu importe la raison. À la fin, là, c'est toi qui assumes les conséquences. Mais tu le sais, des fois, les conséquences sont bien plus lourdes à porter quand on fait ce qu'on te dit de faire. Moi, à ta place, j'aurais fait pareil, mais je suis sûr que je suis pas seul. Joyeux Noël et te parler de sa mission. La mission la plus importante de ma vie, je pense, hein, qu'on peut dire. Oh, c'est excitant! Et ça consiste en quoi? Il fait quoi, Papa Gagnon, ici? Il attend que la cloche sonne. Oh, oui! Mmh. Oh! Hey, t'imagines-tu si ça sonnait à soir, là? Oh! Là, là, on buzzera le ciment avec les pitons, ben, je l'ai. Mais, pourquoi tu penses jamais à ça, toi? Hein? Mais tu sais, Papa Gagnon, lièvre, ce n'est pas reconnu pour penser. Oui, je pense que je pourrais pas. Je pense que je serais pas capable. Oh! Ça veut dire que Papa Gagnon... Mais les ordres, ce sont les ordres! Oh, ben regarde, si jamais ça sonne, là... Puis tu vas avoir ça. Faut voir que tu me passes une corde avant, petit Chris. Oh! Oh! Mon Dieu! On capotera l'esti, hein?